Bonjour à toutes et à tous, on est en direct ici de l'Assemblée Générale de Total où des activistes climat ce matin sont venus bloquer l'Assemblée Générale. Ils sont venus la bloquer, ils ont été accueillis par des forces de l'ordre, la police, alors qu'ils étaient non violents, ils ont été gazés, réprimés, et c'est tout un symbole ici d'avoir des actionnaires qui passent par-dessus des jeunes pour pouvoir se rendre à leur Assemblée Générale et détruire la planète. C'est bien pour ça qu'il y a eu. C'est bien pour ça qu'il y a eu. C'est ça que vous allez dire. Non, mais c'est bien pour ça qu'il y a eu. Madame. Parce que Total, c'est quoi? Total, c'est une machine à broyer la planète, une machine à broyer nos vies. Total, on l'a vu rien que l'an dernier, c'est 9 bombes climatiques qui ont été lancées alors que les énergies fossiles devraient être nulle part ailleurs que sous terre, nulle part ailleurs que finalement dans les poubelles de l'histoire, au sens propre comme figuré. Et c'est sur ce modèle-là que Total fait des profits records, le profit record de l'histoire du CAC 40, profit record aussi de son histoire, et qu'il reverse plus de 10 milliards d'euros qui sont reversés en dividendes à leurs actionnaires, le tout sans évidemment payer le moindre d'impôts. Ils ont d'ailleurs reçu plus d'argent public que les impôts qu'ils ont payés. Et en plus de cela, Total, c'est aussi une machine qui détruit nos vies, puisque rien que le projet ICOP en Ouganda et en Tanzanie, il y a plus de 100 000 personnes qui ont été déplacées. Et ce, alors que nous nous battons au niveau européen pour le devoir de vigilance des multinationales, une régulation qui permettra de traiter, tirer Total devant les tribunaux, parce que les vrais criminels, ce n'est pas les activistes ici, c'est Total qui devrait se retrouver devant un tribunal. Eh bien, Total est en train de saper nos efforts au niveau européen, de multiplier les rendez-vous. Le vote aura lieu jeudi prochain et le vote s'annonce très serré. C'est aussi pour toutes ces raisons qu'on est là, ici, devant l'Assemblée Générale de Total, parce qu'on sera mobilisé aussi longtemps que nécessaire pour que ce modèle, eh bien, il reste au XXe siècle et qu'on ne les autorisera pas à sacrifier notre avenir et notre planète.